Hi guys, just want to share with you something quickly. This vlog is in French, so activate the subtitles in English. It's gonna be way easier for you, all right? So you can just activate the subtitles here and check if it's already in English. If it's not in English, it's in French. You go here to parameter, to subtitles, and you choose French to English, all right? Once it's done, you can watch the vlog properly with the subtitles. It's a bit of French. Maybe you can try your French at the same time, learn a bit, all right? So I'll let you watch the vlog. Bonjour tout le monde, Sébastien Beaupied. Aujourd'hui, je vous emmène dans un vlog afin de vous montrer comment devenir résident au Paraguay. Donc là, je me trouve à l'aéroport de São Paulo où je viens de passer 3 mois, donc 3 mois au Brésil. J'ai passé quelques semaines à São Paulo. Je suis resté un peu à Rio, Búzios. Enfin bref, 3 mois au total au Brésil. C'était super. Et aujourd'hui, on part pour le Paraguay, la capitale, Asunción, pour devenir résident paraguayen. Vous allez me dire, mais pourquoi devenir résident paraguayen? On va voir ça plus tard dans la vidéo. Quels sont les avantages? Quelles sont les conditions? Tout le process, on va tout voir ensemble et on va voir aussi si je vais y arriver. Parce que vous voyez bien, je suis tout seul avec mon sac. On va voir, est-ce que je vais réussir à devenir résident paraguayen? Est-ce que je vais avoir des emmerdes? Quels sont les avantages? Peu importe, on va voir tout ça dans ce vlog. Et donc ça commence bien, je viens de me rendre compte qu'il faut un masque pour prendre l'avion. Je vois tout le monde avec des masques, tout le monde qui fait le check-in avec des masques. J'ai pas de masque, donc c'est parti, recherche de masque. Putain, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis, ça va me faire bizarre. C'est bon, masque trouvé, c'est parti. On va à l'embarquement. Bon, l'avantage de prendre l'avion à 5h du matin, c'est qu'il n'y a personne. Mais il n'y a vraiment personne. Bon, eh ben ça commence super bien. J'ai pas pu prendre l'avion. J'ai pas pu prendre l'avion. Pourquoi? Parce que je ne savais pas. Mais quand tu restes plus de tant de jours au Brésil et qu'après tu vas au Paraguay, t'as l'obligation d'être vacciné contre la fièvre jaune. Donc j'ai pas pu prendre l'avion. Donc là je suis en pleine galère. Je vais aller voir la compagnie d'aérienne, savoir ce que je peux faire. Donc j'ai deux options. La première option, c'est rester au Brésil, me faire vacciner contre la fièvre jaune. Il faut que j'attende 10 jours avant de pouvoir aller au Paraguay. Ou alors je prends un avion pour l'Argentine. Et puis de l'Argentine, je vais au Paraguay. Donc là, je vais aller voir la compagnie aérienne et puis je vais voir avec eux laquelle des deux solutions est la meilleure. Donc comme je vous avais dit au début du vlog, on va voir si je vais y arriver. Et première grosse, grosse, grosse galère. Mais bon, on va faire au mieux. Bon, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une solution. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même me faire vacciner de la fièvre jaune, là, tout de suite, juste après, comme ça, c'est fait. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai changé mon billet d'avion. J'ai pris un billet d'avion pour une ville qui est une ville brésilienne, une ville au Brésil qui est à la frontière du Paraguay. Donc ce soir, j'arrive là-bas et après, je vais traverser la frontière pour aller au Paraguay en bus. Et quand on traverse la frontière en bus par voie terrestre, ils ne demandent pas ce vaccin contre la fièvre jaune, normalement, d'après ce que m'a dit le personnel de la compagnie aérienne ici. Donc voilà, j'ai trouvé une solution. Le seul problème, c'est que c'est pas un problème. Je vais juste perdre une nuit de Airbnb. C'est pas bien grave. Et quand j'ai changé mon billet d'avion, j'ai dû payer un supplément. Mais bon, au moins, ce soir dans la nuit, j'arrive au Paraguay. Donc c'est déjà une bonne chose. Faut voir le côté positif des choses. Mais je vais quand même me faire vacciner de la fièvre jaune aujourd'hui. Comme ça, au moins, c'est fait. Si par la suite, j'ai encore ce problème pour voyager dans tel ou tel pays, au moins j'ai le vaccin. Mais bon, voilà, première petite galère. Je voyage quand même pas mal, ça fait 5 ans que je vis plus en France et que je voyage, et c'est la première fois que ça m'arrive de pas faire attention à ça et de voir qu'en fin de compte on a l'obligation d'un vaccin pour pouvoir voyager. Bref, c'est bon, cette fois-ci ils m'ont laissé prendre l'avion direction Foz de Iguaçu, Brésil, pour ensuite prendre un bus pour rejoindre la capitale au Paraguay. Salut! Enfin arrivé à Asunción, au Paraguay. J'ai réussi, voilà, comme je vous ai dit, à prendre l'avion, à aller dans la ville frontière, à prendre un Uber qui m'a amené
au Paraguay et après j'ai pris un bus de l'est du Paraguay jusqu'à la capitale toute la nuit pendant 5 heures. Et là je suis à mon Airbnb, je vais vous faire visiter vite fait. Donc là on est sur la petite terrasse avec vue sur Asunción. Tac. Donc là petit Airbnb tranquillement. Hein. Salon, tac tac tac. Cuisine. Ici on a la salle de bain et la chambre. Voilà. Je vous ferai une autre vidéo un peu plus tard. Il y a aussi une piscine, etc. sur le rooftop, c'est assez sympa. Donc la journée d'aujourd'hui, bah écoutez, j'ai préparé tous mes documents. Ici, j'ai tous mes documents, j'ai l'argent, j'ai le passeport. Il y a l'avocat qui va venir me chercher dans une demi-heure maintenant. Il va venir me chercher dans une demi-heure et on va aller faire tout le process ensemble aujourd'hui. Et je vais vous filmer le process pour que vous pouvez, vous rendre compte un peu de tout ce qu'il faut faire pour devenir résident au Paraguay. Il vient me chercher entre 8h30 et 9h et il m'a dit que ça allait durer jusqu'à 2h de l'après-midi, le temps de faire tout le process. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je vous filme tout, on se retrouve tout à l'heure. Ok, donc là on est dans la salle de sport du condo de mon Airbnb. Tapis de course, vélo. Je sais pas trop comment ça s'appelle, sac de frappe. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a le nécessaire, surtout pour moi, tant qu'il y a des haltères. C'est le principal, un banc, des haltères. Bon, il y a deux, trois petits trucs, c'est assez sympa quand même. Il y a le minimum. Et puis après, là, on arrive sur la terrasse où il y a la piscine, que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, c'est assez sympa. Et ça donne... On est sur un endroit où on peut faire barbecue, où il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger. Donc là, je viens de vous montrer la salle de sport. Je vais vous montrer un peu le patio en haut, donc le rooftop de l'immeuble. Donc là, il y a de quoi faire. Barbecue, etc. Une table. Et là, on monte. Donc c'est souvent comme ça ici à Asunción, hein, la capitale du Paraguay. C'est souvent des immeubles avec rooftop, piscine, salle de sport, etc. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de tout simplement d'avoir un service, un confort pour pas très cher. Pour vous donner un ordre d'idée, cet Airbnb là, je le paye 40 euros la nuit. Puis voilà, c'est quand même pas trop mal. Il y a un lit king size, il y a la piscine, il y a la salle de sport. On est dans un quartier très très bien, il y a le supermarché qui est juste là. Donc voilà un peu à quoi vous pouvez vous attendre si vous venez ici à Asunción de Paraguay, que vous voulez même rester plus longtemps, un mois, deux mois, trois mois, même si vous voulez vous expatrier ici. Une fois que vous avez la résidence permanente, il n'y a aucun souci. Donc voilà, il y a un confort assez agréable. Ok, donc là on se retrouve devant le bâtiment de l'immigration à Asunción du Paraguay. Et ici, c'est où on va faire toutes les démarches administratives. Afin de donner tous les documents qui sont nécessaires, le passeport, etc. J'ai déjà donné tous les documents, ça prend un peu de temps, donc je suis avec un autre Allemand qui est ici et qui fait le process avec moi. Désolé pour le bruit. Donc voilà un peu les rues d'Asunción. Donc on a donné notre passeport, on a donné les documents officiels. Je vous en reparlerai plus tard à propos de ces documents-là. On va attendre quelques... Je sais pas, il m'a dit que ça va prendre un peu de temps. Je sais pas si ça va prendre quelques minutes ou quelques heures. Mais enfin bon, c'est ici, l'immigration est juste là. On est avec quelqu'un de confiance, ça va se passer très très bien. On se retrouve plus tard, ciao. Ok, alors là, on se retrouve dans la rue d'Asunción. On part du cabinet du notaire pour se retrouver au bureau de change où je dois échanger tout simplement mes reais brésiliens en guaranis pour payer le notaire. C'est bon, je viens d'échanger ma monnaie. Retour au cabinet du notaire où je vais signer des papiers. Ils vont prendre mes empreintes, prendre des photos, etc. Avancer dans le processus.
Alors ici, c'est une petite salle juste derrière le cabinet du notaire pour prendre photos et empreintes. Alors la question, c'est pourquoi Sébastien, est-ce que tu vas devenir résident au Paraguay? Quels sont les avantages? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous fais un vlog pour nous montrer tout ça? Alors il faut savoir que le Paraguay, c'est un pays à taxation territoriale, c'est-à-dire que tout revenu venant de l'extérieur du pays n'est pas taxé. Donc avec un montage très simple, avec une LLC aux États-Unis, où on a notre entreprise, cette LLC n'est pas taxée sur la société. On est résident fiscal au Paraguay, on n'est pas taxé sur les revenus venant de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on se retrouve à 0% de taxes. Voilà, donc ça a un avantage au niveau fiscalité dans un premier temps. Dans un deuxième temps, obtenir une carte de résident dans un second pays, ça vous permet d'avoir une sécurité, une liberté. Avec tout ce qu'on voit en France, en Europe, on ne sait jamais s'il y a un nouveau confinement. Apparemment, maintenant, ils vont même nous couper l'électricité pendant 2 heures et ils vont nous prévenir 3 jours à l'avance pour nous couper l'électricité. Enfin, ça devient n'importe quoi. De devenir résident dans un autre pays et dans un autre continent, ça vous permet de voyager dans ce pays quand vous voulez. C'est-à-dire que si demain je suis en France, imaginons que l'Europe s'effondre ou qu'il y a un truc qui ne me convient plus du tout en France, j'ai ma carte de résident au Paraguay, je me barre vivre au Paraguay. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une sécurité, une liberté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un business pour obtenir une carte de résident au Paraguay. J'ai fait le processus avec un Allemand qui a un business, mais un business en dur, en Allemagne. Donc lui, c'est pas au niveau de taxes, c'est au niveau liberté. Il me dit, je sais pas comment ça va se passer en Allemagne, c'est un peu la merde. Je préfère avoir une carte de résident dans un autre pays pour repartir à zéro au besoin. Donc voilà. Troisième point qui est intéressant aussi, c'est que vous allez faire partie du Mercosur, c'est-à-dire que vous allez faire partie de l'entente de plusieurs pays en Amérique du Sud, Bolivie, Paraguay, Brésil, Uruguay, etc. C'est-à-dire que vous pouvez voyager librement. Donc même si vous êtes résident paraguayen mais que vous n'aimez pas le Paraguay, une fois que vous obtenez votre carte de résident au Paraguay, vous pouvez vous barrer vivre au Brésil pendant 90 jours, plus renouvelable 90 jours encore une fois. Donc c'est très 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 avantageux. C'est les trois avantages qui sont pour moi les mieux dans ma situation. Il y en a encore d'autres. Donc voilà pourquoi je suis parti au Paraguay faire cette carte de résident et vous filmer tout le process. Chose que j'ai oublié de vous dire dans mon malheur, dans mon malheur. Vous savez, pour venir ici au Paraguay, j'étais pas vacciné de la fièvre jaune, donc j'ai dû rejoindre une ville frontière, passer la frontière en Uber et après venir en bus. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh ben, j'ai oublié de m'arrêter à la frontière pour faire tamponner mon passeport, bien évidemment. Donc j'étais illégal dans le pays. Donc j'arrive avec l'avocat chez le notaire et je lui dis, par contre, j'ai oublié de faire tamponner mon passeport pour venir parce que j'étais pas vacciné de la fièvre jaune, mais il fallait que je rentre dans le pays. Donc voilà. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Là-bas, au Paraguay, tout s'arrange. Faut juste lâcher un petit billet. Donc j'ai dû payer une amende. J'ai dû payer une amende de 600 000 guaranis. 600 000 guaranis qui correspond à 80 euros. Donc j'ai dû payer une amende parce que je suis rentré sur le territoire en oubliant de faire tamponner mon passeport. Donc c'est tout, j'ai payé 80 euros d'amende, mais ça m'a permis d'arriver au Paraguay et pas d'attendre les 10 jours de confinement après, enfin de confinement, les 10 jours de latence après m'être fait vacciner de la fièvre jaune. Donc j'ai réussi à m'en sortir. Chose que je ne vous conseille pas de faire, si vous venez au Paraguay, regardez bien de quel pays vous venez et regardez bien si vous devez vous faire vacciner de la fièvre jaune, c'est important. Sinon vous aurez une amende et pire encore, vous allez avoir la même galère que moi que j'ai eu dans le vlog où j'ai même pas pu prendre l'avion du tout et j'ai dû trouver une filouterie. Donc comme vous avez pu voir, je vous ai emmené avec moi pour faire tout le processus, etc. J'ai pas pu tout filmer malheureusement, notamment quand on est allé à la police fédérale, etc. Je pouvais pas sortir mon téléphone et filmer. Je vous fais un quick récap de tout le processus de la journée. Sinon il y a une vidéo juste ici, je vous mets une carte. Allez voir cette vidéo, j'explique tout le process. J'explique tout le process de 8h30 à 2h de l'après-midi, tout ce qu'on a fait. C'est beaucoup plus détaillé. Sinon, je vous fais un petit quick récap ici. L'avocat est venu me chercher chez moi à 8h30 du matin. Il est venu me chercher direction le bureau du notaire. Arrivé au bureau du notaire, qu'est-ce qu'on a fait? Papier, j'ai donné mes papiers officiels, prise d'empreinte, prise de photo. Ensuite, je suis allé à l'immigration, pareil, signer des papiers encore une fois. On est revenu, une fois qu'on a été à l'immigration, on a repris des photos encore chez le notaire. Après, on est allé à la police fédérale. De la police fédérale, photos, empreintes, encore une fois. Et après, la journée était finie.
allez voir la vidéo, je vous la mets ici, où j'explique beaucoup plus en détail tout le process. Dans ce vlog, vous avez pu voir quelques images, les galères, etc. Mais au final, j'ai mon papier. Je vais essayer de pas trop vous montrer. Alors, attendez. Voilà, actuellement, vit et réside temporairement au Paraguay. Donc, c'est nickel. J'ai les papiers tamponnés. Hop ! Tamponné de la police fédérale, tamponné de l'immigration. J'ai ma feuille d'entrée sur le territoire. Mes adiantrada. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les papiers et je vais recevoir ma carte maintenant. Ma carte définitive. Hein, je vais recevoir ma carte définitive. Là, je suis déjà considéré quasiment comme résident temporairement. Hein, j'ai un papier qui me le confirme juste ici. Mais j'attends de recevoir la carte définitive, comme quoi je suis résident temporairement pendant 2 ans ici au Paraguay. Donc, on va dire que ça s'est bien passé. On a réussi. Le cabinet d'avocats et de notaires, ils sont au top, franchement. On va travailler ensemble là dans le futur parce qu'ils sont vraiment énormes. J'ai eu énormément de retours par rapport à eux. On me l'a conseillé. Moi, c'est des Autrichiens qui me l'ont conseillé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent faire une carte de résident, les 3/4, c'est des Allemands, des Autrichiens et des Suisses. Très, très peu de Français. J'ai demandé à l'avocat, il m'a dit j'ai dû faire quelques Français, mais très, très peu. Maintenant, on va travailler en France pour aider les Français à devenir résidents aussi au Paraguay. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça a été recommandé par beaucoup d'Autrichiens, même des Allemands que j'ai rencontrés au Brésil. Donc, tout s'est bien passé. Je suis très content. Et la prochaine fois, ça sera à votre tour.